Bonjour les colophones, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la vidéo traditionnelle des coloriages terminés du mois. Donc nous sommes déjà en avril, enfin nous sommes en mai, mais voilà, on fait la vidéo des colos terminés du mois d'avril. Beaucoup de colos ce mois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 colos ce mois-ci. Donc, autant vous dire que vous pouvez prendre un petit café et vous installer. Ce mois-ci, j'ai travaillé sur les Neocolor 2. J'ai testé les Marco Tribute. J'ai testé les crayons Artisto. Et j'ai fait des mystères au feutre acrylique. Donc voilà le travail que j'ai fait. Et un peu de crayon aquarellable sur... Ah d'ailleurs, oui, il y a un... Je sais pas où je l'ai mis. Il y a un marque-page aussi en plus de tous ces colos que j'ai fait. Mais je l'ai mis de côté pour attendre d'en avoir plusieurs pour... comment dire, le plastifier, et puis je ne sais pas où je l'ai mis. Bref, au niveau des achats, alors ça a été un mois un peu compliqué, c'est-à-dire que à chaque fois que j'ai eu des douleurs, j'ai acheté bêtement, enfin bêtement non, parce que voilà, ça m'a fait plaisir, mais je me suis un peu vengée sur les achats. Voilà. Je ne me plains pas hein, sur ma maladie, attention, comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas ce que j'ai, c'est toujours à l'état de recherche, je ne peux pas vous cacher que, de toute façon, c'est simple, hein, pourquoi je colorie autant, c'est que je suis beaucoup plus souvent dans une position canapé à colo qu'à faire autre chose, donc fatalement, ça joue. Et j'ai été dans l'obligation d'annuler un live donc le 23 avril, je crois, à cause de douleurs. Donc voilà, tout simplement, je vais pas me cacher par rapport à ça. Alors, j'ai acheté pas mal de livres. J'ai acheté Lady Oscar, Les quatre filles du Dr. March. J'ai pris les cartes postales de Anne et la, maison au pignon vert, ainsi que Princesse Sarah. J'ai acheté des aquarelles Spirits Art, les crayons Artisto. J'ai acheté des Pablo à l'unité. J'ai acheté le livre de Ikuko. J'ai acheté des feutres acryliques. Et j'ai acheté le livre Mystère tome 4 et un Kirby Rosanne. Je pense que j'ai tout noté. Et le Lana Green. Voilà, j'avais oublié de noter le Lana Green. Donc, voilà pour les achats. Donc oui, gros achats. Donc, comme j'ai... beaucoup de livres à démarrer, j'ai fait du copitage de ma copine Maëva. J'ai fait des petits papiers et à la fin de ma vidéo j'en tirerai un pour le colo, enfin le livre que je devrais entamer le mois prochain. Voilà, allez, on se lance. Alors il y a un colo que vous ne verrez pas, c'est celui dans le mystère Pixar, puisque je l'ai redonné à Eileen et au moment où je tourne, elle n'est pas là. Enfin, elle n'est pas avec moi. Donc, et je ne vais pas aller dans sa chambre chercher son truc alors qu'elle dort. Voilà, voilà. Alors, on commence le mois. Donc, il s'avère que je suis partie quelques jours dans le nord. Et quand je vais dans le nord, j'emmène pas tout mon matos. Donc, j'avais emmené essentiellement le mystère Pixar et le mystère manga. Et j'ai fait du mystère manga et j'en ai fait deux. Je crois que je vous en avais parlé dans un vlog. Donc, voilà. Hop. Donc, celui-ci est fait au Faber-Castell Pitt, je crois. Et au Super Tips, et celui-ci essentiellement à l'acrylique. Pas totalement à l'acrylique, mais essentiellement. Je crois, qu'est-ce qui n'a pas été fait à l'acrylique? Le gris là. Mais c'est tout, hein, je crois que tout le reste a été fait à l'acrylique.
J'adore le rendu. Et ensuite, bah, comme je vous avais dit, je vous l'avais montré, donc ça, il était fait. Et ensuite, bah, j'ai fait des lines. Donc, pour m'avancer, tout simplement. Voilà. Et c'est génial parce que du coup, je trouve que bah, c'est hyper satisfaisant de voir qu'il est quand même très avancé. Donc, je suis contente. Voilà pour celui-là. Ensuite, alors ensuite, on a l'artiste Lily Fou qui est en campagne Ulule. Elle est en campagne Ulule jusqu'à la fin de semaine. On doit être aux alentours de 81% là, donc ça serait bien qu'on arrive à 100% de façon à ce que nos livres soient imprimés, parce que si elle n'arrive pas à 100%, ça ne sera pas imprimé. Et j'avais fait à l'occasion du site d'action cette femme nue qui est dans son premier volume de Lily Color. Je l'ai réalisé au Luminance, au Marco Tribute et le fond a été fait au Supervision. Franchement, j'ai adoré la réaliser. J'avais vraiment voulu faire un effet un peu automnal, les feuilles. Ah oh, mince, je sais pas, je suis pas. Et bah, en fait, ce que j'avais dans la tête, j'ai réussi à la reproduire sur le dessin. Donc, franchement, j'étais très contente de ma réalisation. Ensuite, okay. Ensuite, alors, je suis passée chez Annaline et j'ai réalisé mon premier duo avec Charlotte Colory. Et comme j'avais eu le malheur de dire dans une vidéo que j'étais pas fan des licornes, elle a choisi celui où il y avait une licorne. Ça va, il était pas très gros. Donc, de toute façon, vous aurez sa version qui apparaîtra ici. À quoi j'ai fait je les ai. Alors, oui, je l'ai réalisé au Gnoni. Au Gnoni, au pastel sec pour le rose et le noir. Non, au rose, alors Gnoni, 1, 2, 3, on recommence. Gnoni pour tout, le personnage. Ensuite, les nuages, pastel sec rose, le fond distress, du blanc, pochoir pour les étoiles, du blanc avec mon marqueur blanc, je ne sais plus de quelle marque, broche. Voilà, pour faire un effet un peu n'importe quoi sur le fond. Et bah, je l'aime bien. Voilà, j'aime bien. Moment très sympa. On a partagé ce moment. C'était très sympa de se découvrir à travers ce colo. Donc, très très sympa. Vraiment. J'adore ce livre en fait, parce que les deux que j'ai fait, j'en suis hyper contente. Hein. Moi, j'en ai fait que deux à moi dedans. Qui avait parce que je l'avais acheté sur Vinted celui-ci. Ah non, j'avais fait trois, j'avais fait celui-là aussi. Ouais, mais en fait, tous ceux que j'ai fait, j'adore. Donc, hâte d'y retourner. En plus, c'est vraiment un anime, j'adore et ça va très vite à faire, donc c'est vraiment sympa. Ensuite, ensuite, je suis allée dans Christine Caron et donc j'ai testé les Marco Tribute. Donc j'ai fait entièrement le colo au Marco Tribute, donc la peau, le chapeau, le vêtement, etc. J'ai fait le fond aux encres Distress. Et voilà. Et en fait, bah, ça donne ça. J'ai beaucoup aimé les Marco Tribute sur ce papier.
Pourtant, c'est du papier Amazon, mais il a très très bien réagi. Franchement, vraiment, j'ai vraiment adoré. Ce colo rentrait d'ailleurs dans le colobac de Nadège, puisque c'était la lettre C, et donc pour le chapeau. Donc voilà. J'adore ce colo. Franchement, j'ai fait un petit combo pot qui m'a vraiment plu en plus. Je l'ai fait au hasard. J'ai pris les crayons qui me paraissaient. Et ouais. Moi, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Et j'adore les Marco Tribute. Ensuite, j'ai refait du Lilifou, puisque nous sommes allés. Alors, vous l'avez vu, puisque j'ai réalisé un tuto. Bon, un tuto. Une manière de faire. En fait, comment je vous ai montré, tout simplement, comment. Bon, ça s'appelle un tuto. Hein, c'est pas. Comment on fait les choses, ça s'appelle un tuto, je ne peux pas dire autrement. Je vous ai montré comment moi je réalisais les fonds avec les gélatos. Parce que bien souvent, on a du matos. Et on ne les utilise pas parce que bah on n'ose pas ou voilà. Et bah, tout simplement, j'ai voulu vous montrer que comment moi je les utilisais. C'est peut-être pas la meilleure des façons. C'est peut-être pas comme ça que ça s'utilise, mais moi, c'est comme ça que je le fais. Et je trouve que ça donne un effet très sympathique au dessin. Donc, j'étais restée sur une palette très restreinte. C'est le signe de la Vierge. Oui, je sais, je vais vous entendre crier derrière votre écran, mais c'est le meilleur signe. Je ne peux pas dire autrement. Et donc, je l'ai réalisé. Bah, les crayons, je ne me souviens plus. Je l'ai fait en live, je ne me souviens plus. Je crois que c'était les luminances. Et puis, bah, le fond gélatos, hein, il n'y a pas. Bon, je crois que c'était ça. Et je me suis éclatée. Alors, donc c'était un live que nous faisions justement pour la campagne Ulule de Lilifou. Et c'est issu de son Chibi Color, donc le premier volume. J'adore ces petits chibis. D'ailleurs, j'ai commandé moi le Chibi Color volume 2. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que en fait, là, c'est les ailes et après, vous avez les cheveux. Et moi, j'ai pris le parti de faire tous les cheveux verts. Donc elle a vraiment une coupe un peu en épouvantail. Mais j'aime bien et ça me fait carrément penser au dessin animé que ma petite nièce regarde, les pyjamasques là avec son petit pyjama, c'est trop mignon, c'est trop choupi. Voilà, donc voilà pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ensuite, j'ai fait un duo. Ça fait bientôt 4 ans qu'on se connaît. Nous n'avons jamais réussi à faire un duo ensemble. Et enfin, ça y est, on a fait notre duo dans le Luna. J'ai nommé Colorisera ma copine Maëva. Et on a fait, je vous mettrai sa version qui est juste sublime sur le côté. De toute façon, je suis fan de ses colos. Elle a un regard. Elle a un regard et elle a une vision de la colométrie, de faire complètement autre chose, tout le temps à faire des peaux un peu différentes, placer des lumières. Et voilà, elle est hyper douée. Vous aurez compris que je suis fan de ma copine. Et on a réussi à se faire notre duo. J'ai été un peu bloquée au début. Je lui ai envoyé un message en disant, oh là là là, j'ai commencé, mais je sais pas pourquoi je bloque. Alors quand c'est comme ça, j'arrête et je fais autre chose. Et j'ai laissé quelques jours et je l'ai repris et là je suis partie totalement et j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Donc moi je ne suis pas aussi douée qu'elle pour les effets lumière, donc j'ai essayé un peu. Bon, c'est mieux que ce que c'était dans le temps, mais c'est pas encore ça. L'effet eau, j'ai fait un peu différent de ce que je fais d'habitude. De toute façon, enfin, je change régulièrement. Je ne prends jamais les mêmes crayons pour mes colos. Je n'ai pas les mêmes combos, que ce soit pour les arbres, pour les feuilles, etc. Je tente, j'essaye, je vois. Je note pas.
Donc forcément, je ne me souviens pas derrière comment j'ai fait mes combos. Voilà, et ce qui me permet de n'avoir jamais vraiment les mêmes couleurs. Donc ça a été réalisé au Lifeast, au Luminance. Donc non seulement c'était du White Maeva, mais c'est rentré dans le Colobac. Je ne sais plus pourquoi. Ah oui, le C comme ciel, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est rentré aussi dans le challenge le grand challenge aléatoire de Tiff. Je ne sais plus dans quelle catégorie, mais ça rentrait dans le challenge. Voilà. Et ça me fait bien plaisir. En plus, le Luna, c'est celui que j'avance le plus. Donc, c'est très, très sympa. Ensuite, encore un duo. Oui, beaucoup de duos. J'ai fait le Spooky Girl parce que vous savez qu'avec ma copine Gribouille, tous les mois, nous faisons un duo dans le Spooky Girl. On l'avance toutes les deux. Ce mois-ci, c'était celui-ci. Donc, vous aurez sa version-là. Comme d'habitude aussi, je vous ai déjà dit, je suis très fan de ce que Gribouille et son conjoint fait, puisque Ago et sa Gribouille, ils sont deux. Il y a Ago et Gribouille, comme son nom l'indique. Et les deux ont une façon de colo dont je suis fan aussi. Je l'ai réalisé entièrement au feutre à alcool. Action, tout simplement. J'ai tenté, comme je vous dis hein, tous les mois, je m'entraîne à essayer de faire des ombres, etc. J'ai tenté des ombres dans les visages, un petit peu dans les cheveux, là sur le bras et sur le nounours. Mais j'adore ce qui rend, en fait. J'adore ce qui rend. J'ai repassé les lignes aux signaux blancs pour les dessins du rideau et je trouve que ça donne super bien. Ce colo rentre aussi dans le colobac, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, ou alors au début, je voulais le faire rentrer pour cache-cache. Puis en fait, j'ai pris un autre jeu, je crois. Bon, je ne sais plus. Non, je ne crois pas qu'il est rentré dans le colobac celui-là. Je ne sais plus. Oh là 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 là. Je suis perdue dans les challenges. Ensuite, je suis allée chez Laure pour les fées du pinceau. J'ai fait ce coloriage. Donc, je l'ai réalisé entièrement au Marco Tribute. Le fond est fait aux aquarelles White Night et j'ai refait les papillons au stylo gel acheté sur Temu. Et je trouve que ça fait un super effet brillant, j'adore. Le colo rentrait dans le challenge de Tiff, challenge aléatoire. Et dans le colobac pour le papillon qui s'appelle le cardinal. Voilà. Je crois que pour le challenge, c'était parce que la palette était dans ces couleurs-là de mémoire. C'est une palette. Ouais, je crois que c'est ça. Mais j'adore. Bah, j'adore toujours autant. Et les Marco Tribute sont très très bien sur ce papier, tout comme ils sont sur le papier Amazon. Et le papier de l'or est vraiment sublime parce qu'on a beau faire de l'aquarelle. Alors oui, ça gondole légèrement, mais franchement, parce que j'en ai mis un de loin. Je peux vous dire que quasiment tous les papiers sont faits à l'aquarelle dedans. Et franchement, je suis pas déçue de son papier, quoi. C'est vraiment une tuerie. Donc j'adore. Et ils avancent très bien. Ensuite, je prends un petit coup de café parce que. Est carrément froid. Alors donc, ensuite, je suis allée dans Christelle Vogel. Euh,
pour Carocolo 62 qui a sur Instagram le avant son Osma, enfin les Osman Raiseux. Donc moi j'ai celui-ci. Donc c'était la page tirée au sort, c'était celle-ci. Donc alors elle a été entièrement réalisée avec mes crayons Héros. Des crayons que j'utilise pas forcément tout le temps et là ça m'a fait bien plaisir de les utiliser. L'aquarelle White Knight pour le fond. Et je crois qu'au début je voulais le faire rentrer dans le colobac parce que je croyais que le métier existait encore et je voulais mettre cordonnier. Et donc, je me demande si j'ai pas mis au cendrillon. Je sais plus ce que je voulais faire avec, mais je crois au début je voulais le faire passer dans le colobac et au final non. Je suis contente. J'ai fait une base d'aquarelle sur le bas et ensuite j'ai retravaillé au crayon pour faire de l'herbe. Et je trouve que l'effet herbe est vraiment, j'aime beaucoup ce que ça rend. Donc, alors ce qui est marrant, c'est que ce livre, avant que Caro Colo lance le challenge, je n'avais fait que celle-ci. Et grâce au challenge, bah, il avance. Donc, ça me fait bien plaisir de le voir avancer. Voilà. Donc, la page est déjà prévue pour le mois prochain. Donc, le tirage au sort a été fait. Donc, je vous montrerai dans ma vidéo pioche à colorier. Ensuite, donc. J'ai réalisé le Mystère Pixar qui rentre dans le colobac. C'est le personnage, je ne sais déjà plus comment il s'appelle, Coup de tonnerre, je crois, dans Voyage d'Arlo, non, je ne sais pas. Moi et les dessins animés, vous connaissez. Donc j'essaierai de vous le remettre là en photo. Hein. C'est pas grave, vous ne l'aurez pas en visu, mais bon. Ensuite, donc j'avance le Spooky Boy avec quelques colocopines. Jackie, Sandra. Et ce mois-ci, on a fait celui-ci. Et j'ai vraiment voulu. Bon, je fais toujours ça avec mes feutres à alcool, vous le savez. J'ai voulu travailler donc sur un peu l'effet lumière et sur totalement d'autres couleurs que ce que je fais d'habitude. Et pour le. Vous voyez, on voit mal le sol parce qu'il est noir en fait. Enfin, il est violet. Voilà, il est prune. Et ce coloriage rentre dans le colobac de Nadège pour la chasse au trésor au niveau de la catégorie jeux et loisirs. Bah écoutez, petit colo. À chaque fois, c'est vraiment colo détente. Hein. Vraiment, pareil, il avance très bien ce livre et c'est de la détente. Donc, puis je m'entraîne sur des trucs. Vous voyez, là, j'ai essayé de faire des effets lumière sur l'arbre. Si vous voyez, voilà, sur les cheveux, j'essaye, voilà. Je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas, j'ai le mérite d'essayer, dit-elle. Ensuite, je suis allée dans SACUEMS, puisque j'ai fait un live spécial SACUEMS, puisqu'elle a ouvert ce mois-ci son Patreon. Donc, je vous laisse aller voir sur sa. Son Facebook, son Instagram, elle a fait des posts et donc j'ai réalisé ce personnage. Alors, comment vous dire que les cheveux, c'est un grand moment. Je l'ai réalisé au polychromos, luminance pour la peau, polychromos pour les cheveux. J'ai cru que je m'en sortirais jamais des cheveux. Bah, de toute façon, c'est bien simple. J'ai quasiment regardé l'intégralité de la série Mon Petit Renne en faisant ce colo. J'ai utilisé le combo or, par contre, de Ago et sa gribouille pour les étoiles. J'ai adoré ce que j'ai fait des yeux, franchement. Voilà. Je suis restée pareille dans une palette assez réduite. Le fond a été fait au White Knight et j'ai rajouté du Mod Podge. Comme j'en mettais les étoiles, j'en ai mis partout pour que ça brille. Et ça brille de mille feux. J'ai mis des paillettes dans ma vie. Voilà. Et j'adore. J'adore, j'adore ce colo. Il me plaît vraiment. Franchement, je me suis éclatée à le faire.
et j'ai vraiment, vraiment adoré. De toute façon, SACUM, ça a un coup de crayon qui me ravit. Et ça rentrait dans le challenge aléatoire de Tif Colo, puisque il fallait du kawaii et c'était dans le sweet kawaii. Il y avait un colo à faire en kawaii et donc ça rentrait dedans, donc c'était top. Donc du coup, c'était mon troisième de ce livre et donc j'ai l'autre à entamer, le Peaceful Fantasy, que je n'ai pas encore entamé puisque j'avais relié les deux ensemble. Et on continue. Je suis allée dans le Mainreise d'Ursch Europa pour toujours Caro Collo et son avançon, le Mainreise d'Ursch Europa de Rita Berman. Et c'était la page des petits aliments. Alors, j'étais pas emballée par la page. Puis bon, après, voilà. Je suis restée pareil avec les luminances, les Prismacolor. Et le milieu, là, le vert, c'est les pads d'encre Action. J'ai fait un petit mélange de tout. Le gâteau que j'ai adoré et que je trouve que j'ai très bien réussi, c'est le grillé aux pommes. Je vous le montre. Franchement, pourtant, j'aime pas le grillé aux pommes. Alors, la preuve, il ne faut pas aimer pour le réussir parce que je crois que c'est le seul gâteau que j'ai réussi. La meringue, j'ai voulu la faire rose, c'est pas ouf. Les autres, pff, voilà. Bon, après, voilà, il est fait, il a le mérite d'être fait. Et puis, les couleurs, je trouve, matchent bien ensemble. Et c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Et on avance toujours, ce livre, c'est génial. Voilà. Ensuite, une nuit d'insomnie, j'ai repris mon Nostros Famosos et j'ai enfin fini Brad Pitt, que j'avais commencé il y a je ne sais pas combien de temps. Donc lui, j'ai utilisé beaucoup les feutres acryliques au final, sauf pour le milieu, je crois, où j'ai pris les pits couleur peau, mais sinon totalement réalisé au feutre acrylique. Voilà. Et il est enfin terminé. J'avance bien aussi ce livre hein, quand même, parce que je ne sais pas combien il y en a, mais bon. Donc voilà, mon Brad Pitt est fait. Et pour une fois, j'ai pas. Excusez-moi, je vais être vulgaire, mais chier les yeux. Voilà. Très contente. C'est un mystère, hein, mais bon. Très contente quand même. Ça sert, hein, du coup, les insomnies. Ensuite, j'ai fait mon Creepy Kawaii. Je vous rappelle que j'ai mon challenge Virgin Creepy. Oui, c'est ça. Virgin Colo Creepy, pardon. Je le renoterai sur l'écran. Et ce mois-ci, c'était Édouard aux mains d'argent. Et je me suis éclatée. Ah, j'ai adoré. Mais vraiment adoré. Donc, je trouve que j'ai particulièrement bien réussi le blanc, les yeux. Oui, allez-y. Pouvez-vous dire, alors elle se vante? Oui, je me vante. Parce que celui-ci, non seulement je l'ai bien aimé, mais alors il a fait fureur. Et j'ai été même très étonnée. J'ai Sarah Richter qui me l'a liké. Alors que Sarah Richter, je ne connais pas trop cette artiste. Enfin, je la colorie pas tout du moins, parce que ce n'est pas du tout mon style. Mais je la suis parce que j'aime bien suivre les artistes, parce que c'est pas parce que moi j'aime pas colo. C'est comme Carolina Kubikowska, je la colo pas, mais c'est une artiste que j'aime bien suivre parce que j'aime bien voir ce que les artistes font. De toute façon, quand on plonge dans le colo, on plonge voilà, dans les artistes. Donc voilà, j'aime bien suivre même ce que je colorie pas. Et quand j'ai vu que Sarah Richter avait liké mon colo, j'étais hyper estomaquée. J'ai envoyé un message à mes copines: Hé, hey, Sarah Richter a liké mon colo! J'étais trop trop contente. Donc fière de moi. Voilà. Donc le mois prochain, ça sera Gollum. Voilà. Alors, je ne connais pas du tout ce film. J'avais commencé à regarder avec mon mari il y a quelques années et on n'avait pas terminé de le regarder parce que ça ne nous avait pas emballé.
Donc oui, je sais, on n'est pas beaucoup à ne pas avoir vu Le Seigneur des Anneaux. J'ai pas vu non plus Star Wars, rassurez-vous. Et du coup, bon bah, je vais regarder une image de référence et je verrai ce que je vais en faire. Voilà, donc pareil, il avance, il avance. Après, les illustrations sont tellement, me plaisent tellement qu'effectivement, je me régale à les faire. Hein. C'est vraiment top. Donc, Gollum pour le mois prochain. Vous allez vous dire, alors elle se vante, mais alors complètement, elle se prend pour qui? Bah, je suis tellement contente d'évoluer que, voilà, je le dis, quoi. Ça me fait plaisir d'évoluer, donc. Bah, comme tous les mois, le Summer Night de la Coloteam Summer Night. Que vous dire de ce colo? Que j'en suis contente? Bah oui, encore. Eh oui, j'en suis contente. J'ai tenté des choses. Donc, je l'ai réalisé au Néocolor 2. Donc, le fond. Voilà. J'ai tenté, puisqu'il y avait des gouttes de pluie, j'ai voulu faire un fond un peu grisonâtre avec. Depuis tout à l'heure, je parle, je vous montre, et puis la lumière est éteinte et vous ne me dites rien. Comment ça, vous ne me dites rien? Mais alors? Il fallait taper au carreau, disant il n'y a pas de lumière. Depuis tout à l'heure, c'est pas grave. Il y avait quand même la lumière de bureau, mais bon. Donc je voulais faire un fond, en fait, un ciel un peu grisâtre, pas grisonnâtre, ça ne se dit pas, Virginie. Dis donc. Avec, en fait, vous savez, quand le bleu du ciel ressort un peu, et puis un peu de jaune du soleil, mais c'est pas très franco, quoi. Donc j'ai essayé de faire ça. Et je voulais faire un effet, alors pas vraiment Patronus, mais un effet oiseau blanc qui enserre en fait, qui prend vraiment dans son aile les deux petites souris. Donc j'avais envie de faire ça, un oiseau un peu duveteux, un peu blanchâtre. Donc j'ai essayé plein de choses. Alors il y a vraiment plein de choses dessus, parce que j'ai utilisé les Néocolor 2, les Lifeast. Les sennelier, stylo gel, du Mod Podge, de la gouache, de l'acrylique. Oui, il y a eu plein de choses de faites dessus. Et c'est vrai que la sennelier, c'était vraiment à la fin. C'est Elsa qui m'a donné l'idée parce que je galérais pour mon oiseau, puisque je l'ai fini avec vous en live de mémoire, quand j'ai fait un live improvisé un matin. Et au final, j'en suis super contente, quoi. C'est vraiment. En fait, il n'est pas forcément. L'oiseau n'est pas forcément réussi comme je le visualisais, mais l'ensemble du colo l'est. Mes fleurs, je les kiffe de ouf. Et je pense que vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages comme quoi les fleurs, elles vous plaisaient. Et voilà, quoi. Tout simplement. Donc, le mois prochain. Alors, le mois prochain, je suis déjà en avance parce que a été tiré au sort, a été voté. Colo dont j'avais déjà fait le fond pour être raccord avec la page d'à côté. Donc du coup j'ai que. Alors, attendez, il faut que je le retrouve par contre. N'hésitez pas à venir nous contacter Maëva ou moi-même si vous voulez nous suivre sur la Coloteam Summer Night. Donc c'est celui-ci. Donc comme j'avais fait le fond, bah, tout simplement j'aurais plus que cette maison. Et je pense que je vais essayer de reprendre ce combo de couleurs. Pour que ça matche pas mal, quoi. Donc voilà. Donc ça sera cette page-là pour le mois prochain. Façon, je vous le rappellerai dans ma vidéo pioche. Ensuite, on m'avait demandé, vous savez que le temps d'un fou l'enchantement, c'est le livre que j'avance chaque mois. Et j'ai une abonnée. Pardonne-moi, je ne sais plus quelle est l'abonnée. Je crois que c'est Patricia, mais j'ai peur de dire une bêtise, qui m'a demandé de faire le champignon. Donc, je me suis exécutée. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez une illustration dans le livre que vous voulez que je mette en couleur, moi, ça me va très bien que ce soit vous qui décidiez. Hein. Moi, j'aime bien qu'on me dise, tiens, tu fais ça. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé pour le fond mes crayons. Ah, mais oui, c'est ça que j'ai acheté aussi.
ce mois-ci que j'ai pas noté. Les crayons Distress. En fait, j'avais une boîte et j'ai complété ma gamme avec trois autres boîtes ce mois-ci. Et donc, j'ai fait le fond avec pour faire un fond un peu soleil couchant. Et tout le reste a été fait au Luminance, au Prismacolor, au Lightfast et donc le Distress Pencil. Comme d'habitude, un régal à faire. Vous savez que le Thunderful, c'est quelque chose que j'apprécie. Bon, j'ai pas fait la page d'à côté, donc ça, je la referai ultérieurement. Mais j'ai adoré mon combo que j'ai fait pour mon champignon. Voilà. Je suis restée vraiment dans une. D'ailleurs, il rentre dans le colo bac hein, pour champignons. Si je ne m'abuse. Et puis, je pourrais même le faire rentrer dans le hashtag satisfaction colo qui est sorti, puisque j'ai trois pages qui se suivent. Et effectivement, c'est une satisfaction colo. Voilà. Donc, j'ai bien aimé aussi mon effet transparence. J'aurais pu rajouter un peu de Mod Podge dedans, mais voilà, je n'avais pas envie, ça faisait too much. Donc, voilà, je suis restée comme ça. En tout cas, j'espère que ce colo te plaît. J'espère qu'il correspond à ce que tu as envoyé. Ah oui, j'ai bien aimé aussi réaliser mon arrosoir avec les effets un peu de rouille. J'ai trouvé que j'avais bien réussi. Voilà. Oui, Virginie, tu te vantes encore. Mais arrête de te vanter. Non, mais je trouve ça classe, quoi. Je le trouve beau. Voilà. Je le trouve beau. Ensuite, je suis allée dans l'Or Philippon volume 2 pour tester mes artistos, mes nouveaux crayons, dont je vais vous faire la revue très bientôt. Donc, entièrement réalisés aux artistos, autant vous dire que je les adore. Donc, c'est Tiff Color qui les a montrés et elle m'a fait envie. J'ai discuté avec elle, elle en était contente. Donc, je les ai commandés sur Amazon US. Et je lui ai confirmé qu'elle avait totalement raison. Ils me conviennent. Après, voilà, les crayons, c'est vraiment une façon de voir comment on colo. Mais j'ai adoré. C'est un mélange entre Pablo, Prisma. Parce que selon le papier sur lequel on est, soit ils réagissent comme les Pablo, puisque j'ai des combos Pablo. Donc j'ai pu les comparer. Et selon le papier où on est, ils réagissent comme des prismacolores et il a des teintes un peu comme les prismas. Après en avoir discuté avec Tiff, c'est ce que j'en retire. Mais en tout cas, je les apprécie. Et alors, ils sont que 72, mais voilà, j'ai réussi, vous voyez, à faire deux colos avec eux sans problème. Je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure le deuxième, puisque je fais toujours pour mes essais un papier un peu plus épais et un papier type Amazon, papier d'imprimante. Le fond, je l'ai fait au Supervision et ça brille de mille feux et les stylos gel pour les bijoux. Voilà. Et voilà. Et donc, ça rentrait dans le colobac de Nadège, puisque le livre s'appelle Coloriage. Donc, c'est pour le titre du livre. Voilà. Ensuite, ma fille m'a donné son mystère Hakuna Matata, parce qu'elle ne l'aime pas. Elle l'avait reçu, je crois, un anniversaire, quelqu'un lui avait offert. Donc, comme elle ne l'aime pas, et qu'elle avait commencé celui-ci, je l'ai rattrapé avec mes feutres acryliques. Et ça donne ça. Donc, j'en suis plutôt satisfaite. Donc entièrement à l'acrylique. J'en suis satisfaite. Je trouve que il est mignon. Voilà. Oh, j'ai juste oublié un peu de blanc là. Bon, j'aurais à le rajouter dans les yeux. Je ne sais pas si je vais le faire dans l'ordre ou si je regarderai les solutions pour le faire en fonction des challenges et autres. Mais en tout cas, je pense que je vais l'avancer aussi avec ma copine Peggy, Princesse Leia, parce qu'elle a le même. D'ailleurs, elle a fait le Alice en même temps que moi. D'ailleurs, celui-ci, Eline l'a commencé, donc peut-être faire celui-ci la prochaine fois.
Bon, ah, ben, elle en avait fait un dedans. Ah, ben, elle en a commencé. Ben, je ferai ce qu'elle a fait, hein, de toute façon. Ah, ben, elle avait fait le Blanche-Neige, dis donc. Pourquoi qu'elle l'aime pas? Elle avait bien réussi, pourtant. Voilà. Donc, bah, ouais, la prochaine fois, tiens, je ferai celui-ci, puisqu'elle l'a commencé. Tous ceux qu'elle a commencé, en fait, je vais les faire. Hop. Je ferai celui-là, page 47. Voilà. Ensuite, ah oui, j'avais décidé de faire la name page de la boîte à bijoux. Donc, je l'ai faite. Alors, j'ai tenté quelque chose. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est tenté. J'ai vu pas mal de choses passer. Verveine Citron et comment elle s'appelle? Et Fane, qui ont passé des colos dans les tons violet et rose, avec détouré complètement au blanc. Et moi, je me suis dit, bah tiens, je vais faire l'inverse. Je vais prendre une autre teinte. Donc, j'avais choisi du vert pour aller aussi avec le fait que la boîte à bijoux est un peu dans les tons verts. Donc, j'ai pris mes aquarelles White Knight. J'ai fait un mélange de plusieurs verres de White Knight. Et ensuite, j'ai colorié avec. Que je dise pas de bêtises. J'ai colo avec les luminances, les oiseaux. Alors, au début, je n'avais pas fait l'espèce de grillage là. Et c'est ma copine Joëlle qui m'a dit de faire parce que c'est vrai que ça faisait vide. Et ensuite, j'ai voilà, repassé au Staedtler noir et au luminant signaux blancs. Faire des petits points. Et bah, écoutez, ah, puis j'ai mis du mode. Ah non, j'ai mis du stickles. Que on m'avait offert, je crois que c'est Peggy qui me l'avait offert avec des étoiles dedans. C'est celui-là. Voilà. Une espèce de petite pâte avec des étoiles. Et alors là, j'ai mis des paillettes dans ma vie encore une fois. Il est tout de paillettes vêtues. Et bah écoutez, c'est un parti pris, hein. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup ce que ça fait. Donc, la name page est faite et bah ça change, voilà. J'aime bien tenter des choses, voilà. Ensuite avec Tartine, Caro, Coco, Peggy, on avance le Misfits et on a fait celui-ci. Donc ça c'est du colo rapidement fait. J'ai utilisé mes feutres à alcool, tout simplement. Voilà. Et puis j'ai fait des petites avec des stylos gel pailleté brillants. J'ai fait des points sur le fond. Voilà. Donc petit livre, hein, tout simple, tout mignon. Qu'on avance tranquillement et ça nous fait plaisir. Ensuite, oui, il y en a encore, il y en a encore, mais on arrive sur la fin. Vous allez vous dire, mais alors, elle s'arrête jamais, celle-ci. Ensuite, bah, j'ai refait du Lilifou. Alors, je crois que je l'avais commencé en live aussi, celui-ci. La petite nénette. Petite chibi blonde. Donc, les crayons, j'ai dû utiliser les luminances de mémoire. Ensuite, le fond, je l'ai fait au White Knight. Plusieurs types de bleu. White Knight granulation, ça fait, voilà, ça fait des effets. Et du Mod Podge pour l'effet transparence. Alors, là où je me suis. Entre guillemets, raté, c'est parce que comme pour l'effet transparence, j'ai fait les ailes jaunes par là. Bah, je suis partie pour faire celle-là, mais j'aurais dû en fait la laisser bleue. J'aurais dû la peindre. Et puis, je sais pas, j'ai fait jaune. C'est raté, mais c'est pas grave, hein. Il faut bien des ratés pour ensuite se dire, hein, ça fait pas comme ça la prochaine fois. Mais c'est vraiment trop mignon les chibis. Franchement, c'est, j'adore. Donc voilà. Toujours pour Lilifou, je vous rappelle, sa campagne Ulule se termine très bientôt. Donc n'hésitez pas si vous voulez commander ses livres.
c'est maintenant, sachant qu'en plus, pour les gens qui auront commandé pendant la campagne Ulule, elle offrira les mêmes colos en PDF. Mais quand vous commanderez après Ulule, elle ne n'offrira plus les PDF. Voilà. Donc, vous avez tout intérêt à le commander pendant la campagne Ulule. Et mon dernier colo, je l'ai réalisé pour tester toujours les artistos sur du papier type Amazon. Et j'ai réalisé celui-ci. Autant vous dire que je me suis régalée à le faire, vraiment. Pour le fond, j'ai utilisé les Distress, un mélange de jaune. Et puis, j'ai utilisé mes stylos gel pailleté pour faire les trucs. Les filles de Coloring by Kitty m'ont liké mon colo et m'ont dit qu'il était beautiful. Donc, j'étais trop, trop contente. Je les remercie. Ils vont pas passer par là, hein, mais bon, je les remercie quand même. Et ils rentrent aussi dans le colo bac pour Coloring by Kitty. Et en fait, j'ai préféré celui-ci. J'ai moins galéré que le premier que j'avais fait. Alors, le premier, c'était avec le chapelier de mémoire. Où est-ce qu'il est? Ouais, c'était celui d'avant. Ça, c'est marrant. Voyez, les cheveux, j'ai beaucoup mieux réussi. Donc, avec les artistos qu'avec là, je ne sais plus avec quoi je les avais fait. Et franchement, mais celui-ci, mais comment j'ai kiffé le faire. Ça aurait peut-être demandé d'être détouré pour le cadran. Et puis, on va pas non plus chipoter. En tout cas, moi, je trouve qu'il est, il me plaît. Donc, c'est tout l'un. Enfin, déjà, c'est déjà très important pour moi. Et en plus, il a plu aux illustratrices. Donc, j'ai envie de vous dire, que demande d'être plus. Voilà, voilà, voilà. Et ça y est! Je vais vous laisser tranquille, j'ai fini! Donc voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de colos ce mois-ci. Je vais tirer au sort le coloriage, enfin le livre de coloriage. Ah. Donc, vous connaissez une petite boîte de Ferrero. Alors, c'est pas moi qui les mange, c'est mes enfants. Mais du coup, j'aurais piqué la boîte. Donc, je tourne et je tourne la tête. Oula! Le love letter. Ah! Là, ça commence bien. Love letter. Ouh. Alors, je sais pas si... Alors, parce qu'on avait dit avec Cathy qu'on allait faire un duo ensemble. Et si je tirais un livre qu'elle avait, c'était sur ce livre-là qu'on ferait un duo. Donc, si tu ne l'as pas, Cathy, reviens vers moi et on choisira un colo à se faire en duo. Bon, bah, va falloir que je choisisse. Bon, celui-ci. Super. Au niveau des duos, pour ce mois-ci, à part avec Cathy, parce que c'était prévu, mais sinon, je suis déjà full, en réservation. De toute façon, vous verrez avec... comment on appelle ça ma pioche à colorier. Mais j'ai un duo avec Bibou, j'ai mon duo avec Gribouille, j'ai un trio avec Joël et Gribouille, j'ai un duo avec Elodie et j'ai un duo de prévu avec Cathy. Donc voilà, je ne veux pas prendre d'autres duos pour ce mois-ci. Donc si vous avez envie de faire un duo avec moi, soit vous suivez du coup les colos que je vais vous montrer dans ma pioche, hormis les duos que j'ai cités et que je citerai, soit on reporte ça pour le mois de juin. Voilà, voilà, voilà. Parce qu'après, sinon, je suis pas... Voilà, je veux pas que ça devienne une contrainte non plus. Je veux que ça reste des duos agréables. Et Bibou, on se fait un Anastasia et l'école d'Arriva. Donc, je vais démarrer aussi ce livre. D'ailleurs, j'enlèverai le papier quand je l'aurai démarré. Donc, et d'ailleurs, je vais en commencer trois du coup. Le Anastasia avec Elodie, je commence le Christine Caron. Et puis, le Love Letter, j'aurai trois livres de démarrer.
Je vais pouvoir mettre le hashtag de Maëva. On entame un max de livres en 2024. Voilà, voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que... Oh, dis, je suis assortie à mon livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je regardais les statistiques. Oui, dans mes heures perdues, comme ça, je regarde les statistiques de YouTube. Et je comprenais pas. Je dis à ma fille, mais je comprends pas. Il y a plus de gens qui regardent que d'abonnés. Elle me dit, mais c'est normal, parce que tu sais, il faut dire... Alors, pour moi, je ne le disais pas tout le temps, parce que pour moi, enfin, si vous avez envie de vous abonnez, quoi, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais manifestement, il y a des gens qui se pensent abonnés et qui ne le sont pas, donc il faut le répéter. Donc, voilà, vérifiez si vous êtes abonné, si ce n'est pas fait et que vous avez envie, faites-le. Voilà, voilà, donc ça, c'est les jeunes, hein, les jeunes, les ados, ils savent mieux que nous, tout ce qui est réseau. Mais oui, maman, il faut que tu le dises, et puis pour les pouces, c'est pareil, il faut que tu le dises, parce que sinon, les gens, ils ne font pas, ils n'y pensent pas, ils ont l'impression de l'avoir fait. Oui, ma fille, d'accord, ma fille. Voilà, c'est toujours les jeunes qui nous apprennent les choses. Donc, voilà pour la vidéo d'écolo terminée du mois d'avril 2024. Je reviens vers vous très prochainement avec ma vidéo pioche à colorier, avec tout ce que j'ai à réaliser pour le mois de mai. Et pour l'instant, elle n'est pas... Je ne l'ai pas encore bien complété. Je n'ai pas regardé ce que je pouvais faire pour le challenge aléatoire. Parce que le challenge aléatoire, comme il y a quand même des trucs à retenir, un numéro de page, etc., faut quand même que je regarde dans mes livres. Et puis pour le colobac, bah, je fais après, en fait. La lettre, c'est la K. En plus, ça ne va pas être facile. Mais ça sera en fonction de ce que j'ai fait. Voilà, la K et la I. Voilà, voilà, voilà. Voilà, après tout ce papotage, je vais vous dire au revoir. Comme Yves Morosi. Non, c'était qui? Baladur? Non, je dis des bêtises. Ah non, c'était dans l'émission Les enfants de la télé. Chaque fois, il mettait Valérie Giscard d'Estaing. Au revoir. Tiens, d'ailleurs, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, vous pouvez mettre au revoir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.